bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essayage de perruques en collaboration avec le site internet China Less Wig. Deuxième fois que je collabore avec eux, du coup de mémoire, c'est un site internet où vous pourrez trouver des perruques, des closures, des V-parts, des U-parts, chose que je n'ai pas encore testé d'ailleurs. Et donc du coup ils m'ont envoyé cette magnifique perruque que vous allez voir tout de suite à l'écran afin de l'essayer. Donc on va l'essayer ensemble. Il faut savoir que je suis déjà maquillée, donc l'étape de l'essayage de la perruque sans maquillage, elle a sauté. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du colis comme d'habitude. Dans un deuxième temps, sans la couper, sans mettre du fond de teint ou quoi que ce soit. Et dans un troisième temps, je vais vraiment l'arranger en mettant un petit peu de fond de teint, en coupant la tulle et en arrangeant tout ça en fonction du coup de la morphologie de mon visage. Et sans plus tarder, du coup, c'est parti. Du coup, la perruque a été reçue dans cette boîte noire. Je trouve que ça fait toujours très très classe quand du coup la boîte elle est noire et que les écriteaux sont en doré. Dans le colis, j'ai reçu la perruque que vous avez vu tantôt. J'ai reçu un condo avec, ce qui est pas mal en fait pour les personnes qui ne sont pas très douées pour faire tout ce qui est baby hair, etc. Et puis c'est tout, avec un petit mot qui est juste ici. J'ai trouvé ça juste super mignon. Ça me fait penser un petit peu à l'époque médiévale, à l'époque des rois, quand ils recevaient des messages ou des missives, vous savez, avec le petit tampon. Et du coup, il y a la bête, il y a la perruque qui est juste ici, les filles, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je vous rappelle que toutes les caractéristiques de la perruque sont en barre d'infos, comme d'habitude. Donc c'est vrai que je suis un petit peu stressée, comme vous le savez, moi j'ai pas l'habitude de mettre de manière quotidienne des perruques, des mèches avec une couleur assez claire. Donc du coup là, on va laisser sans couper, sans rien faire. Si je regarde en bas, en fait, c'est qu'il y a un miroir pour éviter que je regarde dans la caméra. J'aime bien l'odeur parce qu'elles n'ont pas une odeur de mèche qui sont trop traitées du coup. Donc j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup aussi les boucles naturelles avec laquelle la perruque a été livrée. Après vous pouvez lisser les cheveux, la mèche sans problème. Donc c'est pas mal et ça me va bien au niveau de la tête, c'est à dire qu'au niveau du bonnet c'est parfait. Et il y a les attaches que j'aime tant, comme vous le savez. Donc du coup, les filles, là, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Je vais customiser un petit peu tout ça en coupant la tulle et en mettant un petit peu de fond de teint. Et si Dieu veut, en faisant des baby hair, si l'envie me prend. Donc c'est parti. I'll be waiting at home for you, and then you give me that call.
arrive à la fin de cette vidéo. Toutes les informations concernant la perruque seront en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à faire un tour, à utiliser le lien juste en bas et le code promo. S'il y en a, tout sera en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine.